au 15 juillet 2014, le Tour de France Opinéo passe chez Le Coq Gatby, premier hôtel 4 étoiles écolabellisé de France. C'est un endroit de charme dédié au bien-être dans un écrin de verdure au cœur de la ville de Rennes. Véronique et Jacques Bréjon nous racontent leur vision du tourisme responsable, ancré ici depuis de nombreuses années. Un lieu, un esprit, et le tout dans une enveloppe de bien-être. Je dirais un truc où il fait bon vivre. Pour moi, le développement durable, c'est une forme d'éthique. Donc, je mets le développement durable au premier rang. C'est pas simplement l'écologie, c'est tout le métier, c'est l'ensemble de l'activité. Respect de l'homme, respect de la nature. Respect de l'homme parce qu'il est attendu, il est accueilli, on est à son service. Respect de l'homme qui le sert, le touriste, c'est-à-dire respect des gens qui travaillent avec nous, pour justement être le symbole d'un accueil responsable. Respect de l'homme, c'est la diversité, l'accueil tout particulier aux enfants, donc aux familles, et aussi aux personnes en situation de handicap. Respect de la nature, parce qu'on a laissé ce jardin pratiquement comme il l'était déjà au début du siècle, ou presque, et que dans l'assiette, on a la même préoccupation, valorisation des saisons, des produits locaux, donc des fournisseurs locaux. Et le respect du produit, puisque les cuissons, la mise en avant, la mise en valeur, la présentation font que rien qu'à voir l'assiette, on est déjà transporté. Notre posture, c'est par rapport à ces visiteurs que l'on découvre et que l'on aime bien d'ailleurs connaître. Notre responsabilité, elle est dans leur apporter le mieux que nous savons faire. La meilleure façon aussi de présenter le territoire dans lequel on s'inscrit, leur faire aimer Rennes, leur faire découvrir la montagne et donc faire partager à ce qui nous motive. Donc c'est une posture où on est là pour ouvrir et non pas pour vendre des chambres, ce qui serait vraiment une caricature épouvantable de notre métier. Continuez. Et je pense qu'avec des gens comme vous, on peut justement porter cette idée que respecter la planète, c'est pas se priver, c'est simplement profiter autrement, dans le sens se faire plaisir, donner du bonheur, échanger, découvrir, partager. Je voulais vous remercier et vous dire que vous êtes tous les deux non seulement sympathiques, mais pertinents, et que c'est donc une qualité rare, donc on a été très contents de vous accueillir. Et l'équipe était contente de votre présence. Ah bah super. Voilà.